Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 10 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, aimer mieux. On aime mieux quand on aime l'autre pour ce qu'il est. Aujourd'hui, j'ai pigé une lame mineure et c'est le 6 de feu. Alors, la suite de feu dans le tarot traditionnel, eh bien, c'est la suite des bâtons. La suite de feu, eh bien, représente les aspects de la vie qui nous passionnent et nous enthousiasment. Et cette suite, elle part de créativité, donc de passion, de carrière, etc. Donc elle est en lien avec la carrière, avec nos désirs, de courir après nos rêves. Elle peut être aussi en lien avec des projets artistiques, par exemple comme la peinture, le théâtre, l'écriture, etc. Le 6 de feu, eh bien, c'est victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Vous pourriez peut-être avoir une promotion, une récompense ou une bourse. Eh bien, c'est très significateur, ça, vraiment, avec la cardière, le rêveur qui nous disait nouveau départ, qui avait quelque chose de nouveau. Donc, belle synchronicité avec la cardière. Donc, il y a quelque chose à comprendre pour ceux que ça va parler. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, n'est-ce pas? C'est un tirage très large. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Extraordinaire. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez fait du beau boulot jusque maintenant. Et je peux vous dire que tout le monde le sait. Alors, eh bien, l'heure n'est pas à la timidité. C'est une période où vous allez attirer beaucoup d'attention. Et on vous invite simplement à sourire, à être humble. Et surtout, dites merci. Cette lame, eh bien, c'est une lame de victoire. Pour certains d'entre vous, vous avez surmonté les difficultés que vous avez rencontrées jusque maintenant. Vous pouvez maintenant vous glorifier de vos accomplissements. Vous avez surmonté, et ce n'était pas les moindres des difficultés. Il vous a fallu beaucoup de courage, mais vous aviez des ressources cachées. Et présentement, c'est le moment d'être un modèle pour les autres, en les laissant voir, eh bien, les choses merveilleuses que vous avez créées. Alors, cette lame, elle peut aussi annoncer l'arrivée d'une bonne nouvelle. Et ça peut être une très bonne nouvelle au point de vue professionnel. Ça peut être une promotion. Vous allez avoir une récompense ou ça pourrait être aussi un nouvel emploi qui va vous enthousiasmer. Pour d'autres, vous pourriez avoir une bourse. Vous pourriez faire aussi un cursus. Vous pourriez aussi être sur le devant de la scène. Et il se pourrait qu'il y ait une proposition d'aide d'une tierce personne qui a réussi et qui veut vous aider. C'est un choix qui est vraiment avisé, qui apporte une large reconnaissance. Et cette lame, eh bien, elle appelle au soleil.
elle rappelle vraiment le soleil, parce qu'on a sur le drapeau le soleil. C'est vraiment une belle carte. C'est un indicateur, n'est-ce pas, du succès et de la reconnaissance que vous méritez. Et maintenant, en bas, vous voyez le OU, et c'est l'archange Uriel. Eh bien, ce bel archange Uriel est à vos côtés pour voir comment vos récents accomplissements peuvent vous aider à transformer votre vie. Et vous pouvez lui demander de l'aide. L'archange Uriel est l'archange des épiphanies et des idées brillantes. Et si vous avez besoin de nouvelles perspectives étonnantes, il vous lancera toutes sortes d'idées fantastiques. Il est également l'archange de la guérison émotionnelle et de la transformation. Tout cela est bien sûr lié, car les épiphanies peuvent vous aider à guérir le passé, donc à transformer votre vie comme vous le souhaitez. Alors, je ne vais pas vous cacher que l'archange Gabriel et lui sont les archanges avec qui, eh bien, j'aime travailler avec eux. Vraiment. Son nom signifie « lumière de Dieu ». J'aime travailler avec lui, avec l'archange Gabriel, avec Michaël, Raphaël. En fait, j'aime travailler avec tous les archanges. Lorsque j'ai une difficulté, eh bien, j'appelle un archange à venir m'aider ou à demander son aide, en dehors, évidemment, des anges, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore... je dois dire que cette semaine, c'est une belle semaine. Tout est très positif, n'est-ce pas? Je termine avec l'affirmation positive. Je fais de moi ma priorité. Eh bien, oui. Je fais de moi ma priorité. Je fais de moi ma priorité. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ça, c'est tellement, tellement important de prendre soin de soi. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Parce que la vie est tellement courte, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et tout ça, prendre soin de vous en douceur, dans une belle douceur, dans une belle énergie positive. Et puis, on se retrouve demain. Et moi, d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à demain.